C'est bon, on est reparti. Voilà, excusez-moi. Alors, excusez-moi, hein, voilà, juste j'avais paramétré XSplit avec les configurations normalement que je mets en quand j'enregistre mes Battlegrounds. Et en fait, bah, il faut voilà, je l'ai remis en pour les paramètres de tournage. Ça change absolument rien pour vous, c'est juste que c'est pour moi au niveau après du montage que ça change, Mais vous, pour vous, ça change rien. Donc épisode 72, hein. Donc oui, donc salut, hein. Salut tout le monde. Je vois qu'il y a énormément de quêtes ici, notamment une quête à rendre ici. C'est quoi, hein? Les heures sombres vont s'achever. Ouais, c'est des quêtes journalières. Hey, mais c'est lié au. Ok. Selama Asha Lanore. Pour le puits de soleil. L'heure de la vengeance approche. C'est les quêtes de Ma qui sont liées au. Alors, je vais toutes les prendre. Oh là là, puis c'est éparpillé un peu partout. Mais c'est les quêtes qui sont liées à au Battleground. Quelle sagesse recherchez-vous? Ah non, ok, d'accord, Les esprits bénissent votre voix. ok. Ok, il me faut des poissons chats, visiblement. Vous. Ok, non, bon, alors, attendez, je vais prendre ces quêtes-là, mais voilà, on. Ce sont des quêtes journalières, alors Plaisir d'avoir pu vous aider. on s'en tape un petit peu. C'est quoi ça? Dark Shore. Je sais pas où c'est. Bon. On est reparti, excusez-moi, hein, c'est juste que voilà, je découvre, hein, je découvre complètement cette extension, je. Voilà, c'est tout. Et on a fait donc un crochet pour aller récupérer, et puis on a, voilà, on a augmenté notre puissance prodigieuse. Ce qui est cool. Non. Non plus. Excusez-moi. C'est plus haut. Bon, le maître de vol, il est là. Alors, attendez, je vais aussi quitter le world parce que voilà, ça. Allons-y. Et donc là, on repart. Donc on part pour Talgrub. Bon, je prends un pari, hein. Hop, ça va. Alors, quand je prends ce genre de pari, généralement, ce que je fais. Voilà, vous connaissez les tactiques. Voilà, normalement je tombe dans la flotte. Alors, le truc c'est. Voilà, je peux remonter là.
là, faut que je prenne à gauche. Je saute, allez, je saute. Ah, et là maintenant je vois les mobs. Ok. Arrête de te cacher derrière ton masque. Tu fais que retarder l'inévitable. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous feriez pareil. Venez, et je vous montrerai. Les trolls, c'était les premiers à régner sur ce monde. Et ce sera aussi les derniers. Ah oui, voici donc ma nouvelle escorte. Vous êtes ici pour faire respecter la volonté du roi. Et entre nous, mieux vaut ne pas décevoir ce bon vieux Rastakhan. Surtout après votre performance à Hurlevent. On a tous un rôle à jouer. Même vous. Ok, apparemment, faut que je prenne ces deux quêtes-là. Alors, je suis ici avant tout pour mon élève. Ce sera à vous de vous occuper de ses disciples. J'ai vu un avenir possible qui pouvait être préoccupant. Des rivières contaminées par un sinistre poison rouge. Oui, poison rouge. Des cadavres partout dans les rues et ces gens bannis. Qui se disent des nouveaux souverains de Zuldazar. Nous devons empêcher ça. Heureusement, je sais comment réécrire cet avenir. Il manque un ingrédient essentiel dans leur chaudron. Et vous regarde avec assistance. Quelque chose qui donnerait un peu de goût à la potion. Améliorer deux décoctions préparées par les acolytes. Ok. Et Hurlevent. Récupérer 30 onces d'âme en tuant des ennemis. Ok. Voljamba dit qu'il voit l'avenir et il doit déjà être en train de tout faire pour nous empêcher de lui nuire. Alors comme sa vision n'est pas parfaite, vous allez m'aider à causer sa chute et éliminer ses disciples en même temps. Pour ça, vous allez utiliser l'Hurlevent. Préparez-la et entrez dans Tal Goreb. Tuez ses fidèles et détruisez leurs golems et leurs masques. Leurs esprits finiront dans l'urne une fois libérés. Et essayez de ne pas mourir près de l'urne. Pour elle, tous les esprits se ressemblent. Ok. Les jours de terreur. J'ai quelques mots à dire à mon ancien élève. Retrouvez-moi quand vous en aurez fini avec les imbéciles qui le suivent. Ok. Wow, c'est quoi, c'est... Bon, tuer 30 mobs, je le ferai peut-être en caméra. Hein, Mais le problème, c'est que ça tape fort, en fait. C'est ça le principal problème.
Ok. Ah, c'est pas vrai. On va se concentrer sur les potions en fait. Hein. Déjà dans un premier temps. Ils aggro de loin. Eh ben, Ita Mito. Ah d'accord, ok. Et ça repop vite en plus. On va essayer de se la jouer autrement. Mais j'y crois pas trop. Personne m'écoute. La fin approche. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Pourquoi personne m'écoute. Bon. La fin approche. On va se faire ces deux-là. Mince, je me suis trompé de... Je me suis trompé de ça. Ah, il me faut du lin aussi. Bah, tu... Ah oui, c'est vrai, il y a du lin. Il y a un autre... Lol. Bon, ouais, il en reste 12 à tuer. On va se les faire tranquillement. D'accord, ok. Je... C'est quoi ça, Satan des Abyss?
Ah oui, il y a peut-être des compétences de couture encore que... Oh tiens, parlant de compétences de couture, j'ai pas fait ma couture de Draenor pour aujourd'hui. Ah, je sais pas si je vous avais montré ça, mais ça y est, j'ai tous les patrons de Draenor. Je les ai achetés avec les... Hop. Donc là, le projet, comment dire, c'est voilà, donc hop, je fais des étoffes de Tramsor. Et... Four somptueuse. Voilà. Et donc le projet, en fait, c'est de réussir à obtenir... Oula. Donc c'est de monter hein, voilà, ma couture à Draenor et de me faire des sacs en Tramsor. Les sacs en Tramsor, c'est 30 emplacements. Ça me permet de gagner 6 emplacements sur les sacs que j'ai sur moi. Sur chaque sac que j'ai sur moi. Donc c'est pas négligeable. Parce que je sature régulièrement mon sac quand je pars en farming. Hors caméra bien sûr. Mais... je suis en train de partir là. Hop. On va repartir vers le centre. J'y vais à coup de trait de l'ombre. Hein. Je... Hop, voilà. Regardez ce que c'était au sol parce que je voyais pas. Ok. Attendez, il y a également celle-là. 8 totems vaudou. C'est pas les totems que je vois depuis tout à l'heure. Si, c'est cela. Ok, attendez. Alors, on va juste récupérer ça rapidement. J'aurais dû la prendre. J'aurais dû la prendre complètement. Hein. Je... Zut. Pourquoi personne m'écoute? La fin approche. Il y en a un autre là-bas. Je sais même pas ce que je récupère en faisant ça. Ouais, un peu d'or. Ouais. C'est toujours ça de prix, hein. Honnêtement, j'ai une astuce qui peut me permettre de récupérer entre 5 et 10k par jour de pièces d'or. Donc 25 pièces d'or en vrai, je suis plus en train de perdre mon temps qu'autre chose.
J'en ai vu un là, hein. Ouais. Oh zut, d'accord, ok. Alors, on va faire ça comme ça. Comme ça, tu te tires. Moi, je récupère ça et je me barre. Ah, ok. Bon, en même temps, je récupère du lin, hein. C'est... Enfin, quand je peux. Oui, 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 oui. Là, il y a du monde. Là, il y a du monde. On va plutôt faire ça autrement. Je peux pas. Ok. Ok, ok. Pas de soucis. Pas de soucis. Là, j'avais trop de mobs sur la tronche, là. Sachant qu'il y en a qui tapent à 2000, alors on connaît les bails. Hein. Laissez-moi deviner. Vous avez vu trop gros. Ah, d'accord. D'accord, donc dans cette extension, la mort se fout de ta gueule. Ok, je vois les bails. Je vois les bails. Bon, écoutez, je vais juste couper le temps de... Voilà, le temps de... Mais en vrai, les totems, là, je suis même pas sûr que ce soit utile de le faire, honnêtement. Bon, je mets en pause, je vous reprends quand j'aurai ressuscité. Et on est reparti. Récupérer ça. Alors cette fois-ci, je vais vraiment faire au fur et à mesure. Hein. Parce que, ah, tiens, là par exemple, je peux récupérer tout de suite. Non. Bien sûr. On va s'éloigner de celle qui arrive là. Même si mon marcheur du vide va l'aggro. D'accord, ok. Donc en plus... Elle a pas attaqué mon marcheur, elle m'a attaqué moi directement. Bon bah... Hop. D'accord, ok. Je peux rendre les totems vaudous ici. Je vais juste attendre qu'il y en ait un qui respawn, en fait. Est-ce que ça respawn... Voilà. Ouais, bon, bah, sinon, il y a celui-là là-bas. Je vais aller récupérer, puis c'est bon. Ouais, je m'en doutais. Allez, hop. On récupère un peu de pognon.
Ah non, mais vas-y, t'as pas 5000. Le truc, il t'a pas 5000, tout va bien. Rappelle ton chien de garde, Zul. Tu fais une erreur. Vision ou pas, la patience de Rastakhan, elle a des limites. Et il y a des conséquences, petit. J'ai vu comment ce monde allait finir. Et vous allez pas aimer ça. Ouais, non. Bah non. Pff, ni l'un ni l'autre, je vais prendre le plus cher pour le revendre, quoi. J'ai assisté à plein d'événements majeurs de notre... Je suis d'humeur généreuse, alors je vais t'écouter. Vous, par contre... Voilà, c'est... Reculez! Ne touchez pas à ça! Bah, c'est important! Écoutez! Influencé par un flot de mensonges, le trône demeurera impassible. Et il cédera, lui aussi, sous le poids de la roue. Tiens, regarde, moi aussi je peux taper 5000. Bon. D'accord, ok. En fait, il y a plusieurs trucs à... Bon. Par tous les lois, laissez-moi finir. Les ténèbres entrecroisent les fils du destin et plient l'Empire à leur volonté. À bout de course, le haut... Saleté d'insectes. Il y a un endroit pour vous de l'autre côté. Une trahison, la fin d'un empire et une menace qui pèse sur le roi. Ta prophétie, elle m'a l'air bien alarmiste. Allez, prends ta place, que je rentre cette quête. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi, t'as vu quoi? Il y a un temple, il y a une espèce de troll. Bon. Je sais déjà ce que vous allez dire. Alors, abrégez. Bah, aucun intérêt tout ça. Hein. Aucun intérêt. Le destin n'est pas de votre côté, je vous le garantis. Ouh, elle est longue cette suite de quêtes, hein, franchement. Alors, attendez, parce que j'ai celle-là qui... C'est ça la terreur, la véritable terreur. Hop, parce que j'ai repris... Les trolls, c'était les premiers à régner sur ce monde, et ce sera aussi les derniers. Ok. L'Empire des trolls, ils retrouvent... Occupez-vous de ça. Vol'Jamba, il vous attend au sommet du temple. Retrouvez-moi là-haut. J'ai été choisi pour survivre. D'accord, donc en fait, libérer, c'est buter. Non, mais c'est intéressant parce que voilà ce qu'on entend de leur bouche, c'est un petit peu... Ouais, ça fait penser un petit peu à ce qu'on peut entendre dans certaines sectes, quoi. Ça fait... Enfin, voilà, quoi. En gros, là, on se bat contre un ennemi qui paraît très très sectaire, quoi. D'accord, donc les esclaves sont là, mais je peux pas les libérer, visiblement.
C'est quoi ça? Ouais, c'est un autre joueur. Un F200 paladin. On va se concentrer sur lui, hein. Je vais pas aller chercher l'autre. Devant vous, bah il est devant moi là. D'accord, ok. Bon, hop. Il est en haut, hein, c'est ça. On va s'orienter vers. J'ai été choisi pour survivre. Ouais. Ok. On va s'orienter vers le boss là plutôt parce que... Ok, alors il a 38,4 points de vie. Ah, puis mon démon il est pas. Ouais, bon, c'est pas grave. Juste par sécurité, ce qu'on va faire, c'est ça. Non, et on y va. On va voir qui a la volonté la plus forte. La vérité émane des vapeurs. D'accord, visiblement il drogue ses... D'accord, ok. Faut que je bouge. Ok. Oula. D'accord, ok. Je n'ai pas de cible. Ah, c'est violent, hein. Il drogue ses congénères pour les asservir. Enfin, c'est... Ah, c'est une secte, en fait. En fait, là, on est en train de lutter contre une secte, mais de façon un peu violente, quand même.
Il y a une quête secondaire là, mais je crois pas qu'on va s'y intéresser. Il me reste combien? Un seul à tuer. On va essayer d'en avoir un qui est isolé, si possible. On va essayer d'avoir celui-là qui est... Voilà. Comme ça, au moins... Ok, apparemment faut monter. A priori faut monter. Le destin n'est pas de votre côté, je vous le garantis. Ok. Prennent la quête en bas en plus. Prélude de la chute. Je dois m'approcher. Quelque chose me dit qu'il faut que je prenne cette quête là aussi. Ouais. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Détruire des réserves. Bah en fait, ok. Oula. Je vais mourir. Zut. C'est bon, j'arrive à remonter. J'arrive à remonter ma vie. C'est gratuit. Je vais me faire aggro. Mince, pourquoi j'ai... Non, c'est bon, il a été détruit. C'est moi qui déraille. Ok, et soi-disant, donc le Jean Banni, à mon avis, c'est ça la substance qu'on entend détruire, hein, qui est stockée. Et à mon avis, ça doit être ça la drogue qui l'inocule à ses partisans. J'avais été élu. Élu que dalle. On sait tous que l'élu, c'est Keanu Reeves. Il voit la matrice et tout, Keanu Reeves.
ne vivrai pas assez longtemps pour voir Zuldazar tomber. Dommage. Mais... j'avais été élu. Vous vivrez pas assez longtemps pour voir Zuldazar tomber. Dommage. Heureusement qu'il y a l'autre joueur qui occupe un petit peu les... Je vais lui donner un coup de main d'ailleurs. Mais j'avais été élu. J'espère par contre qu'il va pas chier dans la colle quoi, parce que... Eh merde, il a chié dans la colle. Super, non, tu reviens là, toi. Tu reviens là. On se tire. On a filé un coup de main. C'est bon. J'ai vu comment ce monde allait finir. Bien. Pas aimé ça. Ok. Bien, on dirait presque que vous lisez dans mes pensées. Les gens barris se préparent. Les gens bannis se préparent en vue de la chute de Zuldalar, de Zuldazar. Comme l'a prédit Voljamba. Cela ne se produira pas, mais la destruction de leurs réserves, elle facilitera leur éradication. Le jour où Rastakhan se décidera à y mettre bon ordre. C'est ça la terreur, la véritable terreur. J'ai été choisi pour survivre. Saboter les précautions de Voljamba. Prenez le sceau que je vous ai donné et frappez-le sur le ses serviteurs. Ils essaieront de vous arrêter. Restez sur vos gardes. Maintenant, placez l'urne près de l'arche. J'ai été choisi pour survivre. Tout bien réfléchi. Mettez-la un peu plus à gauche. Ouais, alors on va essayer de cette J'avais été élu. Parfait. Maintenant, échangez une potion de Voljamba avec celle que je vous aide. Prenez la première qui vous tombe sous la main. Pas besoin de réfléchir. Heureusement que le marcheur du vide, il encaisse quand même pas mal.
D'accord, ok, il s'est envolé, il a rien droppé. Eh bien, soit. Là-bas. Et donc, j'ai le gardien à côté qui va s'activer, je suppose. Venez ici, l'heure est venue. Ok, rien drop non plus. À mon avis, on approche de la fin de cette série de quêtes. Comme ça, on va pouvoir... J'ai assisté à plein d'événements majeurs de notre époque. Je m'en doutais. Vous étiez là à chaque fois. Étrange. L'Empire des Trolls, il retrouvera sa gloire d'antan. Puisque... Ok, on a un Illidari juste à côté. Ah, ok. Ce petit jeu me fatigue. Maintenant que tu as transmis ton message, tu vas affronter ton destin. On sait tous les deux que tu ne me tueras pas. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu as raison. Je ne peux pas. Mais mon ami le peut. Tu crois avoir une longueur d'avance, vieux fou? C'est vous qui allez mourir ici. Ouh, 433 000 points de vie quand même. Fidèle, votre maître a besoin de vous. Éloignez-vous, c'est un ordre. Je reconnais votre force, mais elle n'est rien comparée à celle de ma vision. Zut, mon marcheur, il s'est fait défoncer, j'ai rien vu. Attends, c'est moi ou il est immobilisé? D'accord, ok. Il a bugué. Eh, j'ai l'impression qu'il est pas au bon endroit en fait. J'ai l'impression qu'il a un bug de positionnement en fait. Bon bah c'est tout hein. On va pas se plaindre hein. Allez, plus que 9000 points de vie. Non, je ne mourrai pas ici. Ça ne devait pas se passer comme ça. On a tous un rôle à jouer. Même vous. Les voyants, les voyants. Celle-là, tu l'as pas vu venir. Wow. Sympa. Sympa, sympa. Les jours de terreur, dites au vieux Rastakhan que je reviendrai en temps voulu. Bon, et merci pour tout. Alors, sauf que j'ai l'impression que ça n'a pas réellement augmenté ici. Je
J'ai pas l'impression que ça a vraiment aidé à augmenter ma mon mon âme prodigieuse. Bon. Ben, retour à Rastakhan. Alors, on n'a pas de... On n'a malheureusement pas de pierre de foyer pour retourner à Rastakhan. Faudrait peut-être... Je sais pas, peut-être mettre une... Peut-être mettre une pierre de foyer à Zundalar. Pourquoi personne m'écoute? La fin approche. Pourquoi personne m'écoute? La fin approche. Mais c'est bon, votre gourou il est mort, allez. Bon, on va aller faire notre rapport au roi. Mais c'était cool. C'était plutôt cool comme suite de quête. Et on ne le dira jamais assez, méfiez-vous des sectes. Méfiez-vous de ceux qui prétendent soigner l'avenir, enfin prédire l'avenir ou même simplement les soins par les soins alternatifs. C'est la porte d'entrée aux sectes, c'est hallucinant. Ben voilà. Allez. On va revoir le roi. Et on va terminer cet épisode là-dessus, je pense. Ouais, 55 minutes que je tourne ce deuxième épisode. Enfin, ce deuxième, ce 72e, hein, résultat, mais... Prédateur. Ah, c'est là que je récupère mon Azerite. Ok, très bien. Espérons que... Ok. Mon prophète, il dit vrai. C'est pour ça qu'il est toujours à mes côtés. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on fera la suite au prochain épisode. Quand je vais tourner la suite là? Est-ce que j'ai le temps? Ouais, j'ai le temps. J'ai le temps de tourner la suite. Donc, et ben, on se retrouve à l'épisode suivant. Allez!